la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Chitalala Janzambi, Chikala Nyomoni Moyen Yonsu. Nous avons ici quelques requêtes. Il y a le frère Joseph qui nous demande de prier pour deux choses. Premièrement, que sa demande d'un prêt d'assistance sociale au sein de la société où il travaille, que ça soit exécuté. Deuxièmement, il demande la restauration parfaite et totale du mental de sa fille. La sœur Marie-Josée nous demande de prier pour son neveu qui a le trouble mental. Que le grand médecin entre en scène pour sa guérison. Il y a une sœur qui sollicite nos prières. Pour que le Seigneur Jésus-Christ ramène sa fille Ngalula Chanda à la raison. Bwanyi mukalenga Yesu Kristo enza kunyi mwanenda wabakaji Ngalula Chanda alukile mujumo na jamalubi jimpa. Et qu'elle accepte d'aller en mariage. Ni taba bwakuyaji kujibaka. Enfin, wakoya le frère Jean-Marie Ntumba. Mwane tabalo ma Jean-Marie Ntumba. Il demande la prière pour que son dossier déposé ait une suite favorable. Et qu'on lui donne le numéro matricule. Veuillez vous lever, nous allons lire dans Hébreux chapitre 4. Nous lirons le 12e et le 13e verset. Nous lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, manungu ni bonga, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Avançons devant le Seigneur. En vivant sacrifice, mon corps et mon esprit, accepte mon offrande, bien aimé fils de Dieu. Descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte, accepte mon
l'offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme des saints lieux. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur. Amen. Amen. Mukalenga Yesu Kristo, wewe mufuki wa julu, mufuki wa bulaba. Mwena moyo tujinawu ibamulo lwewu jine jebe jitumbishibwa wewe wetu nzambi jine jebe jizanjikibwe walu ujinzambi ujumutamba kutunanga wewe kutubisha kutulu kutufa balala kutuku wewe kutuhesha muhu ya wamoyo mujindemu kutuambulisha mumi abayonsi tufubahichila wewe kutuhesha jikanda nimpunge wakulo mwibuika janga nibuweba jilo lweji mukalenga Yesu Kibalukai tujitukusa kijila, tuamba ni jine jebe jitumbishibwe, wewe mukalenga Yesu Kristo wetu nzambi. Katue nabaka na to mukalenga Yesu, kaji wewe jutangijile kuhichile kumasheba, achijila, utufile lusa kumahanga ni matombo kaetu, utuanyishila bwani mukalenga Yesu, tulomwabebu wako kukukwila, kukutumbisha, ni kukuzanzika wewe nzambi ujukumutu kwa tu nzambi tonsu. Kibalukai, Tujibie jilo lweji kumpala kweba. Tujilambule tuwe tubonsu munda mwabie babianza. Milu ambui tujinai mwabehu. Jibu jifubana beba bayifunda. Wevu mumwana chanza chifu chifunda. Mumwana ni mumoyu mufu malu afu mina mukalenga Yesu. Ni wukamu janjilo kulongo lola janda muna. Wakuba sangisa. Wakondo hoba jibasama. Kwesa bajiba kengele michimu. Ni kuanda muna kumilu ambu ya bantu bonsu mukalenga Yesu. Jina jebe jitumbishibwa wabwalwebu. Tujitulambula mwena mjumweba. Wikala mwaku imana kunkoyo wabwambia kubwa kuyisa. Wewe umumbusha mchalu mukalenga Yesu. Wewe wankayebu wakulangane ni mioyi yetu. Bwale wewe kujumumanya malu watu jiba kutuajila. Tuasa kijila wabunyi. Lumu, butumbi, nichanga bikwalu kijila anuwewa. Munkama ninkama ya bijimu. Bwale tualo mbinu nku. Mujina ja mukalenga ni musungiji wetu Yesu Kristo. Amen. La sœur Clarisse Diala dit ceci. Je remercie le Seigneur Jésus qui m'a guéri de la folie. Je suis en bonne santé. Que son nom soit loué à jamais. La sœur Nelly Balonda Kanyinda dit ceci. Je loue grandement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour deux choses. Premièrement, il m'a épargné à deux reprises d'un accident de moto. Deuxièmement, il m'a guéri complètement de la gastrite à la suite des réunions de prière organisées par notre diacre Liveille. Que son saint nom soit loué à jamais. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia, numéro 53, Umewabo. Thank you.
qui ont senti qu'aujourd'hui c'était vraiment. Je pense que le fibre optique est en train de jouer son rôle. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Les Américains sont arrivés. Les diacres Georges est arrivé avec sa femme. Je ne sais pas si sa femme est là. Président Georges, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Alors, comme on n'a pas assez de temps aujourd'hui, le jour de la semaine, alors il pourra parler un peu le dimanche. Nous parlons un peu de son déplacement parce qu'il va s'y associer à la dédicace là-bas. Comme moi, je dois, coûte que tout terminer aujourd'hui. Parce que le dimanche, vous comprendrez, je dois me déplacer pour terminer la situation de l'église des pasteurs Mbayabu. À Kinshasa. Et faire un petit saut pour récupérer mon épouse là où elle était restée, comme ses petits-enfants l'avaient réclamé. Alors, le dimanche, le diacre Georges va se détendre pour nous parler un peu de tout ce qui s'est passé lors de son voyage. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Parce qu'il faut que je gagne le temps pour terminer aujourd'hui. Comme on pourra se déplacer le dimanche. Nous lisons Marc chapitre 11. 12 à 14. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Pouvons nous asseoir. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudit à sécher. Jésus prenait la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole.
nous sommes en train de terminer aujourd'hui ce grand sujet prophétique, le troisième pôle, qui est la manifestation de la parole prononcée. Et nous avons suivi les prophètes pour nous montrer à cinq occasions où la parole était prononcée et de la manifestation de ce qui était prononcé s'est passé. Et tu mon prophète tous les gens pour et comme je voulais vous amener à voir comment cela est une prophétie. Et nous avons remarqué que cela a démarré à partir de ce texte que nous venons de lire. Que le prophète était préoccupé par ce passage. Si vous dites à cette montagne, le prophète était préoccupé. Mon prophète mégène d'avoir l'oubakana. Vous voyez que donc l'homme peut prononcer la parole. Même si ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors c'est là qu'il s'inquiétait, se demandait. Comment quelqu'un peut prononcer la parole? Quand la chose n'est pas, si la chose n'est même pas conforme à la volonté de Dieu. Nous avons suivi tous ces jours ici. Et nous avons commencé à avancer pour voir que c'est ce qui est arrivé dans la vie de Père Branham. Si quelqu'un dit à cette montagne, et c'est pourquoi on lui a parlé pour prononcer la parole pour les écureuils. Et nous avons suivi tous ces détails. Maintenant, j'ai commencé à vous amener dans la prophétie. Que le prophète est en train de montrer. Que cette manifestation de la parole prononcée, il y a un temps où cela sera manifeste en grand. Quel est ce temps-là? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui pour terminer. Il n'a pas dit que c'est seulement en ce temps-là. Comme nous allons voir. Mais cela se manifeste. Parce qu'à une des prédications, je crois, la foi parfaite où pourquoi crier parle. Il était conduit à prier pour les malades. Il avait recommandé une certaine procédure. Et il avait dit c'est le troisième pôle même. Et hier ou avant-hier, je me suis réjoui. Il y a une jeune sœur qui m'avait écrit. Finalement, je crois qu'elle m'a parlé de ce qui s'est passé dans sa vie. Et j'étais là, je me suis d'abord réjoui de voir que des jeunes filles qui se rencontrent, qui partagent la parole, vraiment c'est rare et cela m'a beaucoup réjoui. Même moi, je suis venu à l'une d'elles s'était consacrée. Elle a montré comment elle sentait de pousser, elle est même allée dans un hôpital, elle était poussée, elle a prié pour une personne et la chose s'est passée comme on lui poussait à le faire. Je pense que nous avons remarqué même le diacre Élie. Comment il s'attend à ce que le Seigneur le conduise. Et quand cela arrive, il déclare qu'on ne peut pas prier pour les malades. Frère Branham met l'accent aussi sur la prière pour les malades dans le cadre du troisième pôle aussi. Ce n'est pas toute prière, mais que, voyez la manière que vous êtes poussé.
Alors, vous voyez, c'est la frère Bambri que le troisième poule est confirmé. Nous sommes déjà dans tourner regard vers Jésus. Nous commencions à suivre quand il disait que cela sera en abondance quand cette pression écuménique commencera. Paragraphe 25 de se ranger du côté de Jésus. Commençons par paragraphe 24. En anglais c'est 38. Vous devez comprendre et vous saisir cette prophétie. Ici, comme je répète, c'est différent de la manière que nous étions dans nos communautés où les pasteurs, une histoire qu'il est dans sa tête, il commence à vous prêcher que donnez de l'argent, vous faites ceci, vous aurez ceci, faites ceci, vous aurez ceci, Dieu va faire ceci. Voyez, ça, c'est l'homme qui parle. Mais ici, le prophète nous confirme des choses qui doivent arriver, donc c'est Dieu qui nous promet ces choses. Moi, Benja, nous n'amboulula. N'ambeni, katoye, n'a goumou bisoum, goumou touvo. Mouvum pasta yeye bumundo ujufanyikile bintu byende wambani wewe mwenza nungu ujuheta makuta wewe mwenza nungu ujuheta chintu kampande wewe mwenza nungu ujuheta echi kaji mwabe ukimeja muntu to ebi nzambi ngayende mkwata mujumuni muprofeta wende wakwa kulangana netu c'est pour nous devons croire ces choses et je vous les présente kibwalu kai tudini chakwita buje bintu ebi binji inu leja et frère Banam dans la prédication quelle est l'attraction sur la montagne ni mwane tubanama mujisha jini kajini ni mbimbimbi kumuku. Je pense au paragraphe 27. Il a dit, je suis donc fixé sur ces messages. Et ces messages, c'est ce troisième pôle. Voyez, c'est ça qui est ensemble. Cette parole est en nous. Quand cette parole est en toi, tu reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je dois être la parole manifestée. Et Dieu peut m'utiliser, t'utiliser en tout temps. Nous gagnons du temps. Parce que je n'aurai pas une autre occasion qu'aujourd'hui. Le paragraphe 24. Ainsi maintenant je vais donc vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici. Et c'est la chose que nous avons attendue si longtemps. Dis-moi pendant beaucoup d'années. 4 ou 5 ans peut-être. Voyez quand il a prêché ce sermon ici, parle à cette montagne. Il dit, le troisième poule a maintenant été confirmé. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Et nous aussi au tabernacle de Bougemaï, nous savons ce que c'est. Et c'est la manifestation de la parole prononcée. Et vous vous rappellerez quand nous étudions cette prédication de parle à cette montagne. Comment quand cette parole s'est manifestée, création des écureuils, résurrection aux petits poissons, et ainsi de suite. Dieu lui avait dit, je suis en train de confirmer des choses que je ferai. Alors, frère Benham, après qu'il ait expérimenté cette parole prononcée et manifestée, il dit, le troisième poule est maintenant confirmé. Paragraphe 25, il a dit, eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais imité.
Parce que les premiers poules avaient imité signe dans la main, tout ça. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas. Présentement, il existe. Je prends quelque chose. Mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la vis. C'est pour montrer que ça doit, ça se manifeste. Mais dans une large mesure, avant et ça sera quand les conseils commencera à serrer la vis. Il dit quand il le fera, les pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque tout. Tout ce qui a été fait. Mais quand ce temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance ce que vous avez vu temporairement. Ça, c'est une prophétie. C'est le prophète qui parle. Ce n'est pas des raisonnements de quelqu'un. Et à la fin du paragraphe 26, il dit, et mes amis, restez tranquilles et continuez à avancer. Continuons à avancer. Car l'heure approche rapidement où quelque chose va être accompli. Paragraphe 27. Je vous fais entendre les prophètes vers la fin. Et si vous considérez les choses très minutieusement, vous qui êtes spirituel, pas n'importe qui, mais vous qui êtes spirituel, comme la Bible le dit, à celui qui a de la sagesse, vous qui êtes spirituel, les trois ampoules sont correctement identifiées. Et si vous suivez ce message vers la fin, c'est là qu'il a commencé à montrer les occasions par lesquelles il a prononcé la parole et la chose est arrivée. Il dit, vous voyez, nous savons où il est. Ainsi, le troisième poule est là. Ce n'est pas seulement quand la pression sera là, mais le troisième poule est là. Mais ça pourrait être utilisé dans dans sa large mesure lorsque la pression sera là. Paragraphe 28. Il est si sacré, ce troisième poule là, que je ne dois pas beaucoup en parler. Comme il me l'a dit au début, il avait dit, ne dis rien au sujet de celui-ci. Il dit, vous en souvenez-vous? Il y a des années, cela parle de soi-même. J'avais essayé d'expliquer les autres, donc premier, deuxième poule. J'avais commis une erreur. Maintenant, écoutez. Ce sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. C'est pourquoi moi je vous répète le prophète. Ça sera la chose qui engendrera la foi de l'enlèvement, le départ.
Maintenant, nous arrivons à la partie que nous devons achever aujourd'hui. Au paragraphe 30e, il nous parle de quelque chose. Il dit, le temps viendra pour cette nation, donc les États-Unis, où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Quelle bête? Nyamakai. Quelle bête? Laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale? Voyez-vous? C'est ce que cette nation Amérique fera. Kichi kala matunga masanga ani cha kwenza. Apocalypse 13 l'explique clairement. Mukando agwa kabuluibwa chapitre wa 13 njumvisha bwalwe kubimpa. L'agneau sorti de la terre. Mwana wa mukoko akatuka mubulaba. L'autre bête sorti de l'eau. Nyama mukwabo alonzi kwatuka mumayi. De peuples, de foules, de nations et de langues. Bisamba mintuta ya bantu ni myakulu. Cet agneau, comme nous allons voir ça dans la Bible, montait d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous, comme nous allons voir, il parla comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Alors voyons un peu dans la Bible, l'Apocalypse 13. Pourquoi Frère Benham a introduit les États-Unis dans ceci? Il dit qu'il viendra un temps où cette nation États-Unis va exercer l'autorité que la bête avait auparavant. Donc Rome. Parce que Rome, depuis vous savez bien que dans le statut de Daniel, il y avait quatre royaumes. Mais je veille à ce que je ne puisse pas sortir de ces choses. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Il y a deux bêtes ici. Une bête, c'est une puissance, une nation puissante. Apocalypse 13, verset 1er. J'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Une bête montée de la mer, c'est-à-dire au-dessus des eaux. Si vous allez dans Apocalypse 17, les eaux signifient des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc cette bête dominait des nations, des peuples, des foules et des langues. Quelle était cette bête? Ça c'est Rome impériale. Si vous connaissez l'histoire, l'Empire romain avait régné dans l'Antiquité, dans les temps passés. Même du temps de Jésus, c'est Rome qui régnait. C'est ça la bête d'Apocalypse. Mais au verset 11, il y a encore une autre bête, une puissance, une nation puissante. Mais celle-ci, cette nation, ne monte pas de la mer, mais de la terre.
C'est ça, les États-Unis. Une puissance encore. Nous lisons les versets 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Je vous ai lu les prophètes ici. Dans tourner le regard vers Jésus. Au paragraphe 31, 30 plus tôt. Il dit, le temps viendra pour cette nation, les États-Unis. Où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Laquelle était la Rome païenne quand elle devient la Rome papale. Parce qu'en ce temps-là, l'Empire romain régnait sur la terre. Vous voyez, mais quand elle commençait à chuter, alors elle a récupéré ça de l'autre côté. Non, je ne parle pas de Matumasanga, Rome. Revenons d'Apocalypse 13. Cette bête-là qui montait de la mer. Verset 2. On a décrit comment était cette bête-là gagnant du temps. Parce qu'elle avait sept têtes au chapitre premier. Verset 3. Je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est le prophète qui devait nous interpréter ces choses. Que signifie l'une, c'était été blessé à mort. C'est-à-dire que l'Empire romain qui avait l'emprise sur le monde, alors il est arrivé qu'elle commençait à perdre cette emprise. Mais elle a récupéré du côté de la religion dans le catholicisme. C'est là le verset 3. L'une de ces têtes était blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Aujourd'hui, Rome impériale ne règne plus. Mais c'est Rome papal. Quand le pape parle partout, il part. Il a des ambassadeurs, c'est une puissance. C'est ça, sa blessure mortelle fut guérie. Rome continuait à régner dans le monde. On dit, et toute la terre était dans l'administration, derrière la bête. Maintenant, c'est le catholicisme. Et ils adorèrent les dragons. Dragon. Les habitants de la terre, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ainsi de suite. En disant qui est semblable à la bête, ainsi de suite. Et nous arrivons au verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Maintenant, c'est la Rome qui a récupéré du côté de la religion. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 ans. Je cherche un endroit, il avait. On devait. Attendez. Oui, ici la blessure mortelle fut guérie. Maintenant, cette deuxième bête, c'est là que le prophète a dit, le temps viendra pour cette nation, les États-Unis, elle va exaucer toute
toute l'autorité que la bête avait avant. Ça c'est Rome païenne. Rome impériale. Voyez aujourd'hui les États-Unis, gendarmes du monde. Voyez même dans notre pays. Vous suivez les informations. Lorsque l'homme là de nez pointu là, c'est qui ça, excusez-moi. Voilà. Lorsque le président de Rwanda nous attaquait, c'était normal parce qu'il cherche à séparer notre pays. Et mais voyez que maintenant, quand nous avons réagi, une délégation est venue à Kinshasa. Musumba wa bantu akaloku chinsansi. Commence à vouloir créer que non, il faut le dialogue, le dialogue. Wambani bikengele twenze miyuki, miyuki, miyuki. Remarquez même si la guerre d'Irak. Ninu mone na sa de d'Ukraine. Ninu mone na sa munvita. Ijakatsa jitunga ja Russie ni Ukraine. Remarquez comment l'Amérique est en train de locomotiver les nations européennes. Monai mushindu kayu. Ujimatunga masanga mwana mwena Amerika. Endasa kamatunga chene amputu kumpala. Soit disant d'aller traiter d'OTAN. Abambile ni ndai nubwela mu OTAN. Non, leur traité là. Vous voyez que les États-Unis s'imposent partout. Comme Rome païenne. Et on dit au verset 12 pour cette deuxième bête. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. De la façon que Rome impériale s'imposait sur la terre. Maintenant écoutez. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Maintenant ici, la bête dont la blessure mortelle, ce n'est plus Rome impériale, mais c'est Rome catholique. Voyez, les catholiques, ça dit que universel, église universelle. Verset 13. La deuxième bête, les États-Unis, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Vraiment dit que son exploit dans la technologie des bombes, des missiles, des bombes nucléaires, tout ça, c'est le développement de la science. Voyez comment il est apprécié, admiré dans le monde avec une armée puissante. Maintenant remarquez verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre. C'est une deuxième bête. Les États-Unis. Par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête. Il séduisait les habitants pour arriver à quoi? Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, pas la première bête qui montait de la mer, mais la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. C'est aux États-Unis que se trouve la base de l'écumanisme. C'est là qu'on a obligé, on oblige les habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Notez que la bête qui avait la blessure de l'épée, c'est ça, Rome papale. Rome papale.
catholique, c'est universel. Et l'image à cette bête, c'est la conférence, la confédération des églises universelles, l'œcuménisme. C'est déjà la prophétie. C'est pourquoi Frère Bana a introduit cette portion dans les troisième poule, suivez bien. Les États-Unis avec sa position de gendarme du monde. C'est là que l'écuménisme, l'image de la bête. C'est né là-bas. Mais ça n'a pas encore vraiment eu son ampleur. Vous remarquez déjà comment les églises adhèrent au conseil écuménique. Vous remarquez déjà comment les églises adhèrent au conseil écuménique. Verset 16. Il fit que tes petits et grands ainsi de suite. Revenons au prophète. Tournez le regard vers Jésus. Vous savez, c'est de cela qu'il parle. Maintenant, écoutons-le. Le temps viendra pour cette nation, leur nation des États-Unis. Paragraphe 30, où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Laquelle était la Rome païenne. Et quand elle devient la Rome papale, il dit c'est ce que cette nation fera. C'est le prophète qui parle. Apocalypse 13 l'explique clairement comme nous venons de lire. Mukanda wa bwakabuluibo chapitre wa 13. Ujuwumvije bimpa gwalwe bonu mututufuma kujibalemu. L'agneau sorti de la terre. Mwana mukoku uhatukile mubulaba. C'est au verset 11, l'agneau de la bête du verset 11. Moni nyama walonjo wa verset 11. L'autre bête sorti de l'eau du verset 1er. Nyama mukwabo walonji wakatukile yeye mumayi moni ku verset 12. Des peuples et des foules. Bantu ni misumba ya bantu. Cet agneau donc le verset 11. Mwana mukoku wakumvesa wajikumini umweu. Lui monta d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Yeye wakabanda mwaba mukwabu uvuka wi bantu to. Voyez, l'Amérique d'abord c'était les Indiens qui étaient là. Nukiba mone ni matunga masanga bavumwa mu bantu bebene ku end. C'était une terre, non, les Indiens. Bon, ça va. C'était une terre vraiment qui était libre. C'est les gens qui ont fui la persécution des catholiques en Europe qui sont allés s'installer en Amérique là-bas. C'est pourquoi ils étaient des protestants comme opposés. Comme un agneau, c'est l'apparence de la religion comme la démocratie, une religion chrétienne. Un peuple religieux. Paragraphe 31. Un agneau représente une religion. Je descends pour gagner du temps. Il parla comme un dragon. Un agneau. C'est, non, comme un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon. Et exerça toute l'autorité que les dragons, l'autorité que les dragons avaient avant lui. Et les dragons représentent toujours Rome. Et si voyez-vous la dénomination romaine, une dénomination protestante, protestante. Parce que je suis sœur, une dénomination protestante avec une marque. Une image de la bête. Constituant une puissance qui forcera tous les protestants à vouloir rechercher l'union. Vous
Vous devez être dans les conseils des églises, sinon vous ne pourrez pas fraterniser. Donc, des églises, nous devons, on doit entrer dans les conseils œcuméniques, l'image de la maître. Vous voyez, quand on nous a imposé l'histoire du coronavirus ici, tous nous devons avoir des masques. Sans masque, vous ne pouvez pas cacher, vous n'allez pas entrer pour acheter dans les magasins. J'avais entendu un des politiciens, ceux qui dirigent ce monde. Il disait que c'est un test pour ce nouvel ordre mondial qui est en train de venir. Comment la population, le peuple partout a obéi. Voyez, quand le pape va monter, quand il prendra les choses en main, et que l'église, voyez, cette bête aura, plutôt l'image de la bête aura la prééminence dans le monde. Pendant que nous sommes là, si vous lisez les actualités, évidemment le pape était du côté des musulmans là-bas. Et même, je crois, en Iran, je ne sais pas, il est en train de réunir toutes sortes de religions dans les conseils œcuméniques. Frère Branham dit, alors, frère Trandé, alors les personnes comme nous, nous serons complètement retranchées de tout cela. Parce que nous ne pourrons pas entrer dans cette histoire. La pression viendra. Remarquez verset 16 d'Apocalypse 13. Cette deuxième bête des États-Unis, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque sur leur main droite, ainsi de suite. Et personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Aujourd'hui, dans mon bureau, je suivais comment on est en train de montrer que la transaction d'acheter les histoires avec l'argent est en train de disparaître. Maintenant, on tend vers la monnaie numérique. Ça risque de m'amener encore loin. Il faut que je termine aujourd'hui. Le système d'achat va changer. En Europe, c'est déjà quand vous arrivez dans la boutique, dans les magasins, on n'achète plus les choses avec l'argent ici. Carte bancaire, vous achetez les histoires, vous arrivez au comptoir, il y a une petite machine là-bas, vous introduisez votre carte, ça comptabilise et on coupe l'argent dans votre compte. On est en train de diminuer l'effet de circuler avec des monnaies comme ça achetées. On se déverse vers le système numérique. Les choses sont en train de changer. Alors le prophète dit, voyez, quand ce système va s'imposer, le gendarme du monde va prendre sous les papes, va imposer ça.
Appuyé par les États-Unis. Et alors, personne comme nous serons retranchés de tout cela. C'est exact. Car elles ne pourront pas le faire, donc nous ne pouvons pas faire ça. Les taux se resserrent. Maintenant, écoutez le prophète. Quand ce temps-là viendra, et que la pression sera telle que vous serez acculé, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième pôle. Quand cette pression là sera là, parce que nous qui sommes éclairés, nous ne pouvons pas adhérer dans le système là, parce que ici écoutez ce qui est dit ici. Verset 16 d'Apocalypse 13. Non, verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de son nom. Voyez, je suivais aujourd'hui dans l'actualité. Déjà, le président français commençait déjà à montrer comment ils veulent déjà basculer dans le système de la monnaie numérique. Il a dit aussi aux États-Unis, on commence à parler de dollars numériques. La monnaie comme ça ne sera plus possible. Voyez ce que nous faisons avec Orange Money ici. Ce n'est pas l'argent que vous envoyez. C'est devenu, voyez, vous mettez et puis là-bas on retire. Voyez, mais ça va disparaître la monnaie, mais nous serons maintenant dans le système numérique. Muntu nasiye yekuchinsansa uwakijila chibika yuhedaji wewe mtu mauto kimwikale bini cha kwenzeka mfolanga ya mtu wende nayo kubyanza wende wabanyusu mbusu mbise kabia kwenzeka kabijito ni la manière de faire kajimushindu wajenza aujourd'hui c'est par téléphone. Mais peut-être ça sera maintenant un signe là et la chose peut-être devant l'appareil un signe comme ça c'est vous et ça démarre la chose, l'argent part. Il y a des puces électroniques qui puce informatique qu'on peut faire introduire. Vous devrez devant l'appareil, paf, et ça identifie et l'opération se fait. Et quand ce temps-là viendra, et que la pression sera telle que vous serez acculé, alors faites attention à ce que je vais vous dire. Observez le troisième pôle. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Prononce la parole. Ceux-là qui sont acculés, l'épouse. Mais il sera en faveur de l'épouse de l'église. En faveur de l'épouse. Alors, voyez, c'est pourquoi je voulais que nous sachions ce qui vient dans l'avenir. Que quand j'ai cru la parole de Dieu, ils ne sont pas comme dans les dénominations. Ils sont aveugles. Ils ne savent pas où ils vont. Ils s'empressent pour entrer dans les conseils œcuméniques. Mais l'épouse est avisée. L'épouse est avisée. Quand ce temps-là viendra,
où nous serons acquillés. On ne va plus se retrouver ici. C'est là qui se prépare. Il y aura un secours, le troisième poule. Bah, il a dit, je crois que c'est la chose qui va engendrer la foi de l'enlèvement. Parce que la foi que nous avons ne suffit pas. Quand toi-même tu vas vivre ces choses, ça va créer la foi en toi. Tu prononces la parole, la chose arrive. Tu deviens réel en toi. Alors c'est pourquoi l'accusation du 7-7-63, excepté que je termine aujourd'hui. Paragraphe 392 ou 92. Frère Branham priait. Il s'adressait à Dieu. Puisse-t-il éclater un réveil d'une grande et véritable puissance dans l'église juste avant le départ de celle-ci? Dites à Boulouja. Ce n'est pas difficile de prier pour cela. Parce que tu l'as promis, s'adresser à Dieu. Et nous attendons, Seigneur, ce troisième poule, qui nous le savons bien, accomplira de grandes choses pour nous au milieu de nous. Voyez comment il est tenté de monter des choses qui nous attendent. Je suis maintenant dans Shalom qu'il avait prêché le 12 janvier 1964. Paragraphe 171 ou 171. Une fois, il a parlé du troisième poule. Il parle de Dieu. Que cela viendra d'une façon. Non, que cela, le troisième poule. Ensuite, en connaissant le cœur, ça dit deuxième poule. Et après la parole parlée, c'est-à-dire vous prononcez la parole, la chose arrive. Maintenant je prends au milieu 263 au milieu là. Maintenant vous aurez la bande. Il s'adresse à nous. Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment. C'est pourquoi c'est sommeiller. On ne voit pas souvent ça, c'est sommeiller. Jusqu'à ce que la grande haine de la persécution vienne. Ça sera quand? Cela parlera. Ça sera manifesté. Ça, nous devons croire ça. Ce n'est pas un évangéliste qui parle. Ce n'est pas un docteur qui parle. C'est le prophète qui prophétise. Cette espérance que nous avons dans ce message. Nous savons où nous sommes en train de partir. C'est pourquoi nous nous purifions. Nous ne vivons pas dans l'adultère. Nous ne vivons pas dans les vols. Nous ne vivons pas dans des rancunes. Parce que nous savons où nous sommes en train de partir. Ce qui se prépare. Comme je le disais ce jour-là, les pharisiens sont venus demander à Jésus les signes. Il dit quoi? Le matin, vous vous réveillez. Vous regardez au ciel. Ah, il va pleuvoir.
loka. Je dois me préparer. Njini chakuji longolole. Le soir. Chilol. Tu regardes. Utangile mulu. Ça sera beau. Utali lelu kulungwimpa. Il dit, vous savez guiser les aspects du ciel. Ujua mbanyi nujibamanyo kujimulula. Mekala nyika jilu ya chulu. Et vous ne savez pas guiser les signes du temps. Kajinwenu kapapakamwe na mbanyi kujimulule bimanyi silu ya chukonu. Ce sont des choses comme ça. On dit que ça va préparer l'épouse. Quand je comprends le plan de Dieu, ce qui se prépare à arriver, je vois les signes de temps. Ça m'amène à être sérieux dans ma vie chrétienne. C'est pourquoi vous mettez ce message à côté, prenant avec vos propres pensées. Oh, dans l'Ancien Testament, composez vos histoires. On n'a pas besoin de ça. Dis-nous ce que Malachi 4 a dit. Votre type que vous formez là, ça c'est vous. Oh, voici ceci dans et mon cœur. Et voilà ici dans. Où est-ce que tu as eu ceci? C'est pourquoi ici on doit vous prêcher ce message. Ce message, c'est cette troisième poule là. Quand vous goûtez cette parole, il va se manifester. La dernière citation. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Du 21 janvier 1964. Paragraphe 111, 112 et 113. À travers les âges, il avait été dit et annoncé exactement que les choses qui arriveraient. Et vous en êtes tous témoins. Comme vous avez vu hier sur le discernement qui s'est exercé. Et qu'il y avait des imitateurs qui feraient des imitations. Et tout est arrivé. Mais la dernière chose, le troisième point donc, serait une grande chose qui se produirait. Cela fait des années que nous attendions cela. Et nous savons tous quand cela est arrivé pour la première fois. Quand il y a eu une création, La troisième, appeler les écureuils. Prononcez la parole. Et puis la quatrième fois, vous savez, c'est la sœur Haïti. Hier soir, je vous ai parlé de la cinquième fois que cela est arrivé sur sa femme. Maintenant, regardez verset 113. Cela attend que ce conseil des églises s'unisse et les protestants. Tabernacle de Mbujimaï. Vous êtes bien enseigné ici. Soyez éclairés. Sachez où nous sommes en train de partir. Ce qui nous attend. Nous ne marchons pas dans l'aveuglette. Nous ne sommes pas dans le ténèbres. À l'heure du soir, il y aura de la lumière. Nous savons où nous allons. Ce qui va arriver. C'est pourquoi j'ai prié beaucoup. C'est pourquoi tu gênes beaucoup. Tu te sépares de toutes ces choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Remarquez ce qui se passe dans le monde. Les États-Unis est en train de provoquer. Ils vont encore commencer la guerre avec la Chine. Vous voyez? Donc, gendarme du monde. Cette puissance-là.
comme la bête avait au début. Comme Rome a régné, les États-Unis règnent. Je ne vais pas entrer vraiment dans les choses politiques. Mais ça énerve quand vous apprenez que ce qu'on veut faire de notre pays. Quand on est réagir, ils sont venus vite. Oh, dialogue, dialogue. Quand l'autre nous attaquait, comme c'est pour exploiter nos richesses de l'autre côté, là c'était bien. Maintenant, quand on réagit, on allait dans les dialogues. Ces dialogues-là, pour qu'on s'entende avec les M23, qu'ils glissent, qu'ils entrent dans l'armée, les espions venir encore, les Rwandais. Tout Congolais de père et de mère. Soyons en prière que Dieu fortifie notre armée. Qu'il protège notre président. Qu'il soutient notre gouvernement. Que nous bougions dehors ces gens-là. Que les Congolais soient unis. Unis vraiment. Que les politiciens s'unissent. Non à la balkanisation. Que les États-Unis s'imposent. Moi, c'est ma prière de tous les jours ici. Non. J'ai dit que tout ce qu'on veut faire, j'ai dit que Dieu fasse échouer cela. Tout ça, ça fait partie. De cette bête pour montrer ça, son imposition partout. Quand il aura sa part par la Russie, tous disons que oh, Dieu a payé ces gens-là qui ont tourmenté le monde. Mais nous, nous préparons. L'heure est avancée. Il est plus tard que nous ne le pensons. Ma soeur, si tu étais distrait dans ta vie, soyez sérieux. Mon frère, soyez sérieux. Arrêtez cette vie de péché. L'heure avance. Inclinons nos têtes. Qu'est-ce que tu as retenu depuis que nous avons commencé? Parce qu'il viendra un temps quand les poux seront enlevés. Quand nous serons partis, parce que moi je suis sûr que je partirai. Là, il y aura que celui qui s'essuie, s'essuie encore. C'est lui qui est saint, se sanctifie encore. J'ai répandu des semences tous ces jours ici. Et vous avez écouté cette prophétie. Cette grande leçon prophétique que je vous ai annoncée, que ça puisse vous amener à vous préparer. Si après prédication vous oubliez, vous revenez dans votre vie, pourvu que vous êtes avisé. Tu es toujours dans cette ville de désordre. Que Dieu ait pitié de vous. Vous êtes bien éclairé. Que chacun parle avec Dieu. Demandez la grâce. Que Dieu vous aide à être vigilant. 10 vierges sont sorties pour attendre l'époux. Les sages ont mis de lui dans leur lampe. Connectez à ce message qui nous éveille. J'insiste auprès de vous. Chargez le message dans vos téléphones. Écoutez ce message dans vos maisons. Soyez connectés à ce message. La voix de Dieu traduit le message dans votre langue.
La voix de Dieu joue pour nous mener mon Que vous soyez homme ou femme. Les diplessis sont là en chiluba pour traduire le message. Diplessis ou la voix de Dieu pour nous mener mon Qu'est-ce qu'il y a dans ta carte mémoire? Tu joues carte mémoire que ben Des choses inutiles. À nous pin tout bien chanan. Allez à la voix de Dieu. D'accord pour la voix de Dieu. Cherchez le message dans vos téléphones. Elle vous quinze mon téléphone ouais. Nous ne vivrons pas de pain seulement. Mon tout cœur n'est moyen de boire chabou. Et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez ce message. Ce message va se manifester en toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parle au Seigneur chacun. Amen.
Nous te disons ce soir merci. Merci pour ta parole que nous avons entendue, Seigneur. Merci pour nous avoir éveillés. Pour que nous ayons une vision correcte du message. Car ce troisième poule, c'est même l'apogée de ce message. La chose à laquelle nous aspirons tous. Tu as promis, Seigneur, que tu ferais ces choses parmi les pousses. Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'avoir de la rigueur dans nos vies chrétiennes. Que chacun de nous puisse aspirer à ce troisième poule. Parce que quand l'écuménisme sera manipulé, et que cette pression sera forte sur l'église, tu as promis que cela se ferait voir. Et tu as dit que ça ne sera plus pour longtemps sur la terre. Nous allons bientôt là partir dans les cieux. Seigneur, faites que notre consécration, nos prières dans nos maisons, partout, Seigneur, puissent converger vers cette vision. C'est le but même pour lequel tu as envoyé le prophète. C'est pour préparer une épouse qui doit aller dans l'enlèvement. Nous voulons être de ceux-là qui doivent quitter cette terre misérable. Bénis ton serviteur qui nous a éveillé par cet évangile. Remplis le davantage tout puissant de la révélation. Pour que nous puissions viser à l'essentiel de ce message. Bénis-le richement, Seigneur. Donne-lui encore de la force. Encore la bonne santé. Pour que lorsqu'il sera encore ici prochainement, nous puissions être davantage bénis, Seigneur. Que cette parole qui a été prononcée sous l'onction de Dieu puisse guérir les malades, puisse donner le courage à ceux qui sont fatigués. Merci beaucoup, Jésus. Nous remettons le reste de ces services entre tes mains. C'est des services de collecte. Bénis-le dès le début jusqu'à la fin. Alors que nous te prions ainsi, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les diacres s'y après appellent leur juridiction à les rencontrer après culte. Balami benemeno ajalonda baba bikila bambitura byabwanyi batutekene nabo hanyima hamasambila. Diacre Pierre Kalende Dibwe, diacre Jean Kaloubi, la juridiction Jean Kaloubi verra le diacre Jean Kamou. Chituka chamule mi Jean Kaloubi ni chimonana ni mule mi Jean Kamou. Le diacre Jean Kamou et le diacre Seba appellent aussi leur juridiction. Mon ami Jean Kamou et mon ami Seba, Baba Bikina Rabobitoura Diab. Le diacre Féli rappelle à sa juridiction le nettoyage de nos deux temples demain à 7h juste. Mon ami Féli, je voulais que tu te retiennes, je suis là dans le temple de Dieu, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il vous demande de venir nombreux avec le nécessaire. Nous passons à la nécrologie. Dans la juridiction Pierre Kalende Dibwe, le frère Kabengele Yipo a perdu son père avant-hier. Mwane to abaluma Kabengele Yipo mo fujimija tatuenda makelela. L'odei est à Dipumba. Majulu adi mudipumba. Aux environs de l'église Damien. Babu epinyekelezia wa Damien. Je ne sais pas si c'est Damien ou Damien.
Dans la juridiction Jean Camo, il y a deux communiqués. Le premier, Jacumpala, la sœur Bilonda Moa Rachel. Cette sœur a perdu son père. Son père qui est le député Ong. Cette sœur est l'épouse du frère Chiba. Le deuxième communiqué, il est donné par le diacre Jean Camou et le diacre Kato. Le frère Chimanga Bwanga est décédé aujourd'hui. Inclinons nos têtes. Créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous avais réservées. Maintenant que nous voulons sortir, que ton ange campe autour de chacun de nous, puisque nous te l'avons demandé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos diacres et de nos huissiers.